Bien, vous qui suivez l'actualité de Tonga, vous êtes un peu au courant de tout ce qui se passe et vous avez vu quand même qu'il s'est passé des choses intéressantes, importantes pour nos animaux, puisque les quatre lionnes qui étaient avec John sont dans une réserve en Italie, dans de très bonnes conditions. Et là, nous sommes heureux d'avoir pu les placer comme cela grâce à Unvoice. Elles étaient certes en meilleur état que John, c'est peu de le dire, mais voilà, elles ont bien changé, elles sont en bonne forme, elles ont pris du poids, tout, et ça va bien. Alors, c'est une réserve qui a été financée aussi par Unvoice et qui se trouve au sud de l'Italie. Nous sommes très heureux que des établissements comme ce refuge en Italie aient accepté nos fauves. Jusqu'à présent, ce sanctuaire était plutôt réservé à recueillir des renards, des sangliers, des singes et des petits carnivores. Mais bon, voilà, ils ont fait des installations avec, il paraît, une très belle vue. Alexandre s'est régalé puisqu'en voyant les lionnes, il voyait aussi la mer en face de lui, donc c'était le bonheur. Il a failli pas revenir ici. Bon, donc voilà, c'est une belle installation. Les gens ont l'air d'avoir beaucoup de compétences et bon, nous restons en relation avec eux pour avoir des nouvelles des animaux et nous attendons prochainement encore des images des lionnes dans leur nouvel enclos, parce que lorsque Alexandre les a laissés, les lionnes étaient dans un pré-enclos afin qu'elles s'habituent à leur site et qu'elles rentrent facilement dans les maisons. Il y a deux lionnes qui sont un peu chancelantes. Quand elles sont arrivées ici, elles étaient vraiment mal en point, elles marchaient très mal. Mais il ne faut pas oublier qu'elles avaient subi une anesthésie 24 heures avant. Elles avaient passé pratiquement 20 heures dans un camion à se faire trimballer à droite à gauche. Donc voilà, c'était pas très très sûr, mais ça va bien, elles n'ont pas de soucis particuliers. Bon, évidemment, quand ces lionnes sont parties, on pensait à John. Bon, la vie a fait qu'il nous a quittés avant, mais bon, c'est la vie. Bon, les gamins, allez, viens. Bon, ils s'en fichent complètement de notre présence, c'est très bien. Les nouvelles sont bonnes, ça a l'air de tout bien aller. Et voilà, on espère vous montrer très rapidement des images de ces animaux.